Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Donc, suite à ma dernière vidéo de coloriage terminée, je vous avais dit que j'avais fait le fond de cette petite poupée avec des brochots. Et je vous avais demandé de me le dire si vous vouliez que je vous fasse une vidéo tuto. Donc, j'ai hésité. Vous me l'avez demandé, mais j'ai quand même hésité à la faire. Pas parce que je veux pas faire la vidéo, mais tout simplement parce que j'ai fait une vidéo où j'utilise un autre produit qui est de la teinture à vêtements et que j'utilise de la même façon que les brochots. C'était un test que j'avais en tête depuis des années et que j'ai enfin mis en pratique. Donc, j'ai hésité en fait à vous faire la vidéo brochot parce que j'ai peur que ce soit un petit peu doublon. Mais vous me l'avez demandé, donc je vais vous la faire. Je vais quand même vous mettre dans le petit i la vidéo test avec la teinture à vêtements si ça vous intéresse. Mais on va quand même faire la vidéo brochot aujourd'hui. Donc, soit vous l'écoutez si ça vous tente, et bien sûr, mais si vous trouvez que ça fait doublon avec l'autre vidéo, je comprendrai tout à fait. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que sur ma page Facebook, mais également sur mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Donc, on est dans le tatou darling. Et je vais vous montrer ce que j'ai comme brochot. Ça m'avait été offert par ma choupinette Muriel il y a déjà, je dirais, ça fait au moins 2 ans, je crois, déjà. Et je les avais pas beaucoup utilisés, les brochots. Pas que j'aime pas, au contraire, je capote sur ce que ça peut faire. Mais j'arrivais pas à l'utiliser de la façon dont c'était censé. Je vous explique rapidement si vous ne connaissez rien du tout au brochot. En fait, c'est que ce sont des petites poudres de pigments. Ça vient dans des contenants comme celui-là. Ça, c'est le Emerald Green. Moi, j'avais fait un petit trou sur chacun de mes pots parce qu'on peut les ouvrir, mais je les trouve durs à ouvrir et moi, je trouve que c'est mieux de saupoudrer. En fait, juste avec le petit trou qu'il y a là. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Donc, le brochot, à la base, ça s'utilise comment? En fait, vous saupoudrez votre brochot. Ensuite, vous prenez un push-push. Et une fois que vous avez saupoudré votre brochot, vous faites push-push sur le colo. Et là, ça va vous faire des effets, mais de fou. Sauf que moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça fait jamais ce que je veux. Donc, j'ai cherché, cherché, cherché à imaginer une autre façon dont je pourrais les utiliser. Moi, j'ai une boîte de 12, mais je sais qu'il y a plus de couleurs que ça. Mais bon, 12, c'est déjà très, très bien. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai dans ce kit. Attendez. Je les avais tous swatchés en envers. Brochot, brochot, êtes-vous mes petits brochots? Les voilà. Donc, moi, dans le kit de 12 que je vous ai montré, j'ai le lemon, le yellow. Et là, ça peut paraître pareil, mais absolument pas. Parce que dans le lemon, vous avez du jaune et du vert. Tandis que dans le yellow, vous avez du jaune et du orangé. Donc, ça, c'est pour les jaunes. Ensuite, on a orange. Ici, on a scarlet. Vous voyez comment c'est beau? Par contre, quelque chose que je dois vous dire, si vous vous attendez à avoir un résultat parfaitement contrôlé, non, 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 non. Ça n'arrivera pas parce que c'est très, très aléatoire. C'est un peu comme l'aquarelle, c'est quand même aléatoire. Mais regardez ce que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir des couleurs très délavées comme ça ou plein de petits picots comme ça. Vous voyez, dans l'orange, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rose. C'est magnifique. Ici, c'est orange. Ici, c'est scarlet. Brilliant red. Regardez si c'est beau. Leaf green que j'ai utilisé. En fait, je vous le montre. J'ai utilisé le Leaf Green pour ce colo ainsi que le Emerald Green. Oui.
Le voilà, je vous le montre de plus près. J'ai ensuite un purple, un turquoise, évidemment, comme vous le savez, c'est un de mes préférés. Ensuite, le ultramarine et un autre que j'aime à la folie. Il y a le dark brown et le black. Franchement, je les adore. Vous pouvez avoir plus de couleurs, ça, je vous le... Je ne sais pas exactement combien de couleurs en tout vous pouvez avoir, mais vous pouvez en avoir plus. Et ce qui est le fun, par contre, c'est que si vous achetez un kit de 12, mais qu'il y a une couleur qui vous manque, sur Amazon, moi, j'ai vu des petits pots à l'unité. Donc, vous pouvez tout à fait vous prendre des petits pots à l'unité si vous avez une couleur en particulier que vous voudriez. Les brochures, c'est quand même cher, d'accord? C'est quand même cher, mais il faut garder à l'esprit que le pot est quand même rempli jusqu'au bord et ça vous prend une minuscule quantité. Donc, vous en avez pour longtemps. Par contre, si vous ne voulez vraiment pas mettre le prix là-dedans, je vous réfère à ma vidéo test teinte, attendez, c'est comment je l'ai appelé, test teinture à vêtements dans nos colos. Allez voir ça. Ça va vous permettre, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr de vous, ça va vous permettre de tester, voir si c'est un produit qui pourrait vous intéresser parce que honnêtement, le résultat, là, c'est pratiquement la même chose. Oh non! Oh mes amis. Depuis jeudi soir, on manque d'électricité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h le matin, l'électricité est partie. Ça a duré 34 heures. 34 heures sans électricité. Et là, on est dimanche. Et ils nous ont remis l'électricité. On est dimanche le 10 avril. On nous ont remis l'électricité samedi dans l'après-midi. Mais, depuis... L'électricité repart, l'électricité revient, l'électricité repart. J'étais censée vous faire cette vidéo samedi, mais pas d'électricité. Et la luminosité dehors était trop pourrie, je ne pouvais pas me passer de mes lumières. Là, j'ai éteint mon ordinateur parce que tout à l'heure, j'étais sur mon ordinateur. Je voulais répondre à mes messages et mes commentaires YouTube. L'électricité arrêtait, l'électricité revenait. Donc, je me suis dit, ils vont me péter l'ordinateur. Je me suis dit, je vais l'arrêter et j'ai bien fait. Vous voyez? Bon, là, ça n'a pas duré longtemps, mais ça dure juste assez pour que l'ordinateur s'éteigne. Bon, si l'électricité repart encore, malheureusement, je ne pourrai pas vous faire la vidéo. On va travailler dans le tatou Darling de Annaline. Et on va faire le fond sur cette petite poupée qui s'appelle... Black Widow, si je me trompe pas. Je suis désolée si j'ai eu l'air exaspérée, mais là c'est parce que ça l'arrête pas. Oui, Black Widow, ça l'arrête pas, c'est chiant. Tout à l'heure, on était en train de faire notre manger, notre repas. L'électricité s'est arrêtée. On ne sait jamais si ça va durer ou si ça va s'arrêter pendant des heures. Je vous reviens, mes amis. Bon, on va essayer de vous faire le tuto en espérant que... Là, ça reparte pas parce que franchement, si j'éteins les lumières, oh ben non, vous verrez absolument rien. Galère. En fait, en plus de tout ça, pas d'électricité pendant 34 heures, la température descend. Bon, les chats, le chien, c'est pas trop problématique. Mais Ruby, elle, ma perruche, faut pas qu'elle ait froid. Pour qu'elle ait froid. Donc, il faisait très, très froid dans ma chambre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait samedi soir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, Ruby va dormir dans le salon où il y a le foyer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai couché Ruby dans le salon. Heureusement, dans le salon avec le foyer, il faisait chaud. Mais là, moi, j'ai dû dormir dans le salon aussi. Parce que les chats, surtout Luna. Je me suis dit, je ne peux pas faire dormir Ruby dans le salon sans dormir moi-même dans le salon. Parce que la chatte, elle va essayer d'aller écœurer Ruby.
J'ai fait ça. J'ai dormi dans le salon. Mais dormir, c'est un grand mot. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je fallait que je surveille le foyer pour pas qu'il s'éteigne et que la chaleur s'en aille. Je vous raconte ma life, là. J'espère. Donc, dormi. Veillé dans le salon sur Ruby. J'ai bien fait parce que Luna a essayé d'aller la chaler pas deux, trois fois dans la nuit. Le problème, c'est que ma mère dort dans le salon. Parce que ceux qui ne le savent pas, ma mère, elle a eu un accident. Elle a blessé sa moelle épinière. Là, j'ai besoin d'un carton ici. Elle s'est blessée la moelle épinière il y a quelques années, en 2018, quand on est arrivé ici. Et elle n'est plus capable de dormir dans le lit parce que ça lui fait trop mal au dos. Donc, elle dort dans le salon. Vous allez dire, c'est quoi le problème? Le problème, mes amis, c'est que ma mère, elle ronfle. Un vrai tracteur. On dirait une tronçonneuse. Une tronçonneuse à l'assaut d'une forêt, mes amis. Et je blague même pas. Elle ronfle tellement fort que je ne sais pas comment ça se fait qu'elle se réveille pas elle-même. Mais on sont où mes cartons? Et là, ça m'énerve. Bon, j'en ai un. Une vraie tronçonneuse, mes amis. Et ça n'a pas loupé, hein? 10 minutes après qu'elle se soit couchée, parce qu'elle dort dans le fauteuil, 10 minutes après s'être couchée, elle a parti la tronçonneuse. J'avais peur que ça empêche Ruby de dormir, mais on dirait que ça a bien été. Ruby a été correcte. Je ne l'ai pas entendue se promener dans sa cage, donc j'imagine qu'elle a réussi à dormir. Pas moi. Pas moi. Je ne suis pas capable de dormir. Si ça ronflait pas aussi fort, ok, mais non, c'est terrible, là, les murs tremblent. Bon, je vais utiliser mon pinceau. C'est un Zooting Artist Brush. C'est le numéro 12. Et là, j'aurais besoin de votre aide, mes amis. Moi, je cherche un pinceau plus gros. Mais je ne connais pas les pinceaux plus gros. Est-ce que le numéro sur le pinceau a rapport avec la grosseur? J'imagine que oui. Parce que c'était un kit que je m'étais acheté sur Amazon. Vous voyez ici, on a 9, 10, 11 et 12. Mais j'en veux un plus gros que ça. Est-ce que je peux me fier, si je vais sur Amazon, est-ce que je peux me fier au numéro? Si jamais je vais sur Amazon et que je vois un pinceau avec un chiffre plus gros, est-ce que ça veut dire qu'il va être plus gros que ça? Dites-moi ça dans les commentaires parce que vraiment, les pinceaux, c'est pas du tout, du tout, du tout ma spécialité. Je n'y connais strictement rien. Donc, j'en appelle à votre connaissance, mes amis. Attendez un petit peu, là, je cherche quelque chose. Voilà. Désolée, mes amis, c'est censé être un tuto, puis moi, je vous raconte ma life, là, mais bon. Donc, les bruchots, ça traverse énormément, comme vous pouvez le voir ici. Donc, mettez des feuilles entre chaque, hein. Ah, et vous ne faites pas ça, s'il vous plaît, dans un livre recto verso, là. Non, vous allez bousiller l'endos sur des papiers où il y a un seul colo. D'accord? S'il vous plaît, pitié par pitié. Venez pas me dire, j'ai massacré mon livre à cause de toi. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'a dit ça. Mais bon. Je vous préviens, d'accord? Donc, j'ai mis une feuille sur mon bureau pour massacrer mon tapis. J'ai un carton en dessous et j'avais envie de le faire. En fait, c'est la veuve noire, d'accord? J'ai envie, je m'excuse de parler. Au pire, là. Quand je ferai le montage, je vous écrirai à quelle minute vous pouvez vous rendre si vous voulez éviter tout mon blabla inutile. Donc, je veux le noir, ça c'est certain. C'est le black. Mais peut-être que j'y ajouterai même une petite touche de rouge. Voilà, j'ai mon black ici. Il y a le gris qui existe, si je ne dis pas de bêtises, et vraiment, j'ai trop envie de me le prendre, le gris. Je vais voir si je peux peut-être le trouver. Je me souviens pas si je l'avais déjà vu.
Et j'aurais envie d'un petit peu de rouge, étant donné que ses cheveux sont rouges. Oh, j'hésite. Est-ce que je mets une minuscule pointe de rouge dans mon black? Ça pourrait faire mignon, je crois. Donc, je veux celui-là, le brillant red. On va le tester. Et au pire, je l'ai ici, le brillant là. OK, on est prêt, mes amis, après tout ce blabla. Et là, croisons les doigts pour que l'électricité ne reparte pas. Parce que je vais être dans le caca. OK. Donc, j'enlève mes petites épines. Ah, oh, je te cherchais, toi. Je le cherchais, ce crayon. Donc, j'enlève mes petites punaises. Voilà. Et on va enlever celui-là aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer exactement. Oups. Bon. Comment vous y prendre. On a le noir. Bon, c'est ça. J'avais hésité à le faire parce que je me suis dit que ça faisait doublon avec l'autre, mais c'est pas grave. Au pire, vous la regardez pas. C'est pas un problème, d'accord? Ceux qui vont me demander le combo cheveux, là, parce que je note pas tout le temps mes combos, je suis pas fine. Mais si vous voulez le combo cheveux, ici, c'est au Polychromos. J'ai pris le 263, le 225, le 142 et le 219. Et je vais le noter, ce combo, parce que je l'aime. Je vais le noter dans mon livre de combo. D'accord! Bon, on va-tu partir ou on va-tu pas partir? J'ai une petite guenille. J'ai un pot d'eau qui est absolument dégueulasse. Ouf. Je pense que ça dérangera pas. Je pense que ça dérangera pas. Et ouais, manque d'électricité pendant 34 heures. Et c'est compliqué quand on est à la campagne. Parce que si t'as pas d'électricité, ben, tu peux pas flusher la toilette parce que t'as plus d'eau. Parce que la pompe à eau fonctionne sur l'électricité. Donc, on mettait des chaudières dehors, des seaux d'eau, si vous voulez, et on récupérait la neige qui fondait du toit, ça dégoûtait. Donc, on remplissait les seaux d'eau de même pour faire passer ce qui devait passer. Voilà. Compliqué, très très compliqué. J'ai quasiment envie de mettre une autre feuille. Ouais. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fais là, mais bon. Bon, on va y aller, mes amis. Je suis désolée du blabla. Ok, j'ai mon petit torchon, j'ai mon petit pinceau. Et là, mon pot d'eau n'est pas à bonne place. Attendez. Je veux que tout soit à la bonne place. Parce que je ne veux pas prendre mon eau à droite puis la passer par-dessus le dessin. Non. Nous ne ferons pas ça. OK. Donc, ce que je veux, moi, c'est du noir en majorité. Donc, vous voyez bien, je suis dans l'écran. Oui. Parfait. Donc, vous voyez, j'ai un petit trou ici. Je saupoudre mon brochot. J'en ai peut-être trop mis là. Vous avez dit, ben non, mais non, il y a juste quelques gouttes. Non, 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 ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas. Je le fais par petite section. Je ne vais pas mettre le brochot partout, partout. Puis, non, non, non. Parce que moi, je suis foutue de tout flyer le brochot avec ma main. Donc, moi, j'y vais par petite section. Je prends un petit peu du brillant trade. Ah! Oh. C'est pas ce que je voulais faire. Ne soufflez surtout pas dessus. Et faites bien attention parce que ça va traverser, ça c'est sûr. Bon, il est où mon raid là-dedans? Je pense qu'il est ici, puis moi je le voulais plus dans ce coin-là. Vous pouvez tout à fait le déplacer selon votre envie. Et là, petit pot d'eau. Et. Est-ce que je suis trop loin? J'ai déjà des doutes. J'ai déjà des doutes sur ce que je suis en train de faire.
le noir est extrêmement puissant. J'ai bien l'impression que j'en ai trop mis. Sentez-vous le flop arriver, mes amis? Moi, oui. J'ai un gros doute là. J'ai un très, très, très gros doute. Pourtant, le noir, il y a du bleu, il y a du orange. Ok. C'est quoi cette grosse tache noire là? Je pense qu'il y avait trop de poudre. Moi, pas contente là. Prenez pas un pinceau qui coûte une fortune, hein? Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! C'était peut-être pas une bonne idée, le noir. Franchement, cette grosse tache noire-là, là, je suis pas contente, mais du tout. Non, si je fais ça avec... Ouais. Allez pas mettre de l'eau sur l'autre bord parce que ça va traverser. C'est quelque chose comme ça que je voulais, là. Plus discret que ça, là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette tâche? Misère. Je vais définitivement mettre du rouge là-dedans. Là. Est-ce que si je rajoute du rouge sur la tâche, ça peut-tu aider d'après vous? Ah là 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 là. Ce colo va peut-être être un fiasco. Regardez ici. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a du noir en dessous. Puis par-dessus, il y a du rouge. C'est cette grosse pote noire dégueulasse-là qui m'énerve. Mais on ne se décourage pas. Nous ne sommes pas femmes à abandonner si vite, mes amis. Non! Si vous n'aimez pas que ça gondole, c'est pas une technique pour vous, d'accord? Je vous le dis tout de suite, là. Surtout sur le papier Amazon. Je fais attention de ne pas entrer dans mon colo. Ce qui serait une bonne idée, mes amis, c'est d'essayer de faire le fond avant de faire votre colo. Parce que si vous faites un colo que vous trouvez absolument magnifique et que vous foirez le fond,
Vous allez être trop déçus. Mais moi, je suis folle. Oui, je m'amuse à... De toute façon, c'est parce que je sais que si je foire le fond, je vais le rattraper autrement. Que ce soit avec de la peinture acrylique ou... C'est pas grave. C'est le rouge. Non, je voulais le noir. Bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie-là? Voyez, ça tombe sur ma page. Faut surtout pas que j'aille mettre de l'eau là-dedans. Et en plus, ne soufflez pas. S'il y a trop de pigments, n'hésitez pas à... Savez-vous quoi? Je vais essayer de passer avec le rouge là-dessus. N'hésitez pas à éponger votre... Mais quelle horreur! Mais quelle horreur je suis en train de faire là. Ben, je m'en fous, hein. Moi, je vais le terminer. On verra bien à la fin. Tant que ce ne sera pas complètement sec, mes amis, là, faut pas non plus se décourager. Moi, quand j'essaye avec le push-push, là, je me retrouve avec un lac sur mon... Je me retrouve avec un lac sur mon colo. En plus de ça... Quand je fais le push-push, le pigment, il se barre, il s'en va. Et je fais mon chemin comme ça. Je me promène et... Ça, c'est le quoi? Le black, ok. Vraiment, allez-y très, très doucement. Je sais pas pourquoi ça arrête pas de revoler sur ma page d'à côté. C'est toute une question de quantité, mes amis. Faut apprendre à doser et c'est ça que je vous avouerai qui est le plus difficile au début. Faut doser le pigment, faut doser l'eau. J'ai peur que si je vois trop là-dedans, que ça traverse sur mon autre page. Regardez, j'aime ici. À la caméra, ça a peut-être pas l'air bien beau de même, là, mais laissez-moi une chance. Ayez foi en moi. Donc là, une fois que je vous ai tout expliqué ça, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à filmer, mais je vais vous mettre en accéléré parce que sinon, ça va être trop long. Et une fois que vous avez compris l'idée, ben, vous avez compris, je crois. Donc, je vais faire tout mon tour, tout mon colo et on vous revient après. D'accord. Bon.
Je vous reprends en vitesse normale parce qu'il y a un truc que je veux vous montrer. Ça sera pas long. Excusez-moi, je me battais avec ma chatte qui essayait de passer devant l'écran et là, c'était vraiment, vraiment pas le moment qu'elle pile sur le livre, n'est-ce pas? Avec tous les pigments. Donc, quand je dis que je me battais avec ma chatte, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? Je ne me bats pas avec ma chatte, évidemment. Je veux vous montrer un effet, d'accord? Là, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai mis mon pigment directement sur la feuille et je viens l'aquareller avec mon pinceau. Mais je vais vous montrer un truc. J'espère que je ne raterai pas. Pendant que votre page est mouillée, voilà, vous pouvez prendre votre bruchot et ajouter des petits points. Vous allez voir l'effet que ça va vous faire. Regardez, vous êtes loin pour voir. Et ça sera pas mieux comme ça. Bon. Je vous le montrerai après, d'accord? Je vais vous le montrer après. On repart en accéléré. J'avais échappé mon pinceau, mais ça se peut-tu? Donc, je vais vous remontrer ce que je voulais vous montrer quand je vous disais, quand votre papier est mouillé, vous pouvez tout à fait rajouter un peu de poudre. Et vous allez voir, ça va vous faire des effets hallucinants. Donc, je vais le faire de ce pas. Donc, vous voyez qu'ici, mon papier est mouillé. Je vais prendre mon noir et là, normalement, ça devrait, à moins que j'aie pas mis assez d'eau, mais je crois que oui. Ouais, ok, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Je vais vous montrer ça. Attendez, juste une petite seconde. Vous voyez, j'ai mis, c'était mouillé ici. Et je vais essayer de vous le montrer de plus près. Vous voyez, ça nous fait plein de petits picots. J'adore ça. J'adore ça. De toute façon, quand il sera... Oh, je veux pas. Je refuse. Il faut faire très attention, d'accord? Parce que là, comme c'est du papier Amazon, c'est hyper mince, évidemment. Et comme votre feuille est très mouillée, c'est très fragile. Donc, ne tirez pas sur votre feuille. Essayez de la bouger le moins possible, s'il vous plaît.
pitié. Ayez pitié de votre papier. Donc, je remets mon noir. Ouais, je suis bien contente d'avoir mis le rouge en plus. Là, je me mets des petits picots noirs dans mon rouge. Mais je me demande quel effet ça nous... Oups, c'est un petit peu trop là. Mais quel effet ça serait si je mettrais en plus le pigment rouge sur le mouillé? On va tester, mes amis. On va tester. Donc, je continue mon chemin. Je vais me trouver un endroit qui est assez foncé. Et je vais nous envoyer des petits pigments rouges pour voir ce que ça va nous faire. Là, j'avoue que de même, ça n'a pas l'air fameux. Là. Je l'admets, mais attendez que tout soit fait, que tout soit sèche. Et en plus, vous pouvez tout à fait ajouter des effets ensuite, avec du doré, par exemple, de l'argenté ou de la peinture acrylique blanche, quand c'est sec, hein? Quand c'est sec, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, je vais mettre un petit peu plus d'eau ici, dans la partie assez foncée, et je vais envoyer mon pigment rouge. Et on attend. On attend. Ouais, parce que tant que tout n'est pas sec, votre feuille est très fragile. Même que j'ai déjà fait des plis sur... Malheureusement, j'ai fait des plis dans mon premier essai. Ça faisait des petits plis, mais c'est pas grave. Hein? Moi, je m'en fous. Là. Je suis pas quelqu'un qui va exiger que son papier soit parfaitement plat et lisse. Une chance, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'aiment absolument pas que leur papier gondole. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Donc, ils évitent à tout prix les médiums avec de l'eau. Mais moi, j'ai la chance de... Je m'en fous que le papier gondole, je m'en fous. Donc, je suis bien contente de ça. J'ai encore envie d'envoyer des petits... c'est le rouge, là. Où est-ce qu'il m'en passe? Ah, c'est un petit peu trop rouge à mon goût. C'est un petit peu trop rouge à mon goût. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Ben parce que c'est pas grave. On va prendre notre noir. Et on va envoyer des petites projections de noir. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Faudrait peut-être que je continue en mot. Est-ce que je suis encore dans l'écran? Oh, 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 oh! J'étais sur le point de sortir de l'écran, là. Méchante, méchante, Mélissa. Et si vous éternuez sur votre peau, elle va toute s'en aller. Ça, c'est certain qu'elle va toute flyer. Bien raide, bien raide, bien raide. J'ai l'impression, vous avez l'impression que je suis folle aujourd'hui? Absolument. 34 heures sans électricité, pas moyen de me laver la foufoune. Bon, elle lavait depuis le temps, là. Oui, quand même, là. Dès que l'électricité est revenue, j'ai pas attendu. Je suis allée me laver la foufoune. Mais, ouais, je suis folle. J'ai eu une belle migraine cette nuit. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle, juste la panne d'électricité. Il faut mettre un peu plus, là. On rajoute une migraine là-dedans. Tout va bien. C'est trop noir, là. Trop, trop noir, là. Moi, pas contente. J'ajoute un peu d'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Je suis folle. Et j'ajoute des pigments rouges. Ah! Pas dans mon dessin. C'est pas grave, le dessin n'est pas mouillé. On peut l'envoyer un petit peu plus loin. N'a pas de problème. Vous le dis, n'a pas de problème. OK. On continue. Il nous en reste plus gros à faire, là. Je vous ai mis un bout en accéléré, mais là, vu que je vous parle, je vais pas... J'ai un poil de chat, là! Je ne vais surtout pas le gratter. Non! Étant donné à quel point mon papier est fragile en ce moment, non!
Je vais attendre qu'il soit sèche, complètement sèche. Et ensuite, je l'enlèverai, le petit poil de Luna. Ouais, c'est ça, je vous disais, j'étais en train de m'obstiner avec ma Luna tout à l'heure. Elle voulait venir devant l'écran et je ne veux pas. Donc, c'est ce qui est arrivé l'autre fois, c'est que elle est venue devant l'écran. Je me souviens plus c'était quelle vidéo, mais vous l'avez vu. Elle est venue devant l'écran. Et quand j'ai voulu la descendre, en fait, elle a ses fesses ont cogné le trépied et je tenais Luna d'une main et j'ai réussi à rattraper in extremis le trépied parce que la caméra est en train de tomber. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait ça. Vraiment, voyons, tu m'énerves là. Ok. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai attrapé ma Luna d'une main, hein, et de l'autre main, j'ai réussi à rattraper le trépied pour éviter que la caméra ne tombe par terre. J'ai eu chaud. Je l'ai rattrapé, la caméra était. Là, il y a beaucoup de rouge, donc je m'amuse à mettre des petits pigments noirs. J'ai rattrapé la caméra, peut-être était à un pied du sol quand j'ai réussi à la rattraper. Je me suis dit, la caméra tombe par terre, c'est fini, il n'y a plus de vidéo, tout va péter. Mais non, j'ai réussi à rattraper la caméra. C'était un miracle. Ah, c'est rouge, ça, c'est trop rouge. Allez, on rajoute du noir là-dedans. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Écoutez, je viens de vous montrer un autre effet là. Ouais, j'adore cet effet-là, là, une fois que vous avez comme étalé votre pied. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ne faites pas ça, hein, parce que ça ne va pas vous donner le même effet. Si vous faites ça, ça va vous faire des traînées plutôt moches, d'après moi. Mais j'adore l'idée d'appliquer le pigment en premier, de venir l'aquareller ensuite, et pendant que la feuille est mouillée, pas mal mouillé même. Vous revenez avec votre pigment. On va prendre du noir. Allez, je l'aime, le noir, je l'aime. Et la feuille est mouillée et je réapplique du pigment. Et là, ça me fait des effets d'hallucination. Mais pas des effets d'hallucination, non. Ça me fait des super beaux effets. J'adore ça. Imaginez les possibilités que vous avez là avec ces poudres-là. Je vais définitivement aller sur Amazon voir si je peux pas me prendre un ou deux autres couleurs à l'unité. Je me souviens que quand j'avais reçu ce paquet-là, ce kit-là de Muriel, j'avais vraiment envie d'avoir le gris, mais je l'avais pas trouvé sur Amazon Canada. Je vais retourner voir si je ne peux pas l'avoir parce que j'aime trop. Et vous allez en voir d'autres de ces. Oui, vous allez revoir de ces fonds, mes amis. Maintenant que j'ai trouvé enfin une façon d'utiliser mes brochots qui me plaît. Bingo! Eureka! Et là, vous pouvez jouer avec l'intensité. Vous pouvez y aller soit très foncé, soit beaucoup plus clair. Ça, c'est à vous. D'expérimenter et de choisir ce qui vous plaît le plus. Là, j'ai peur que ça me fasse une démarcation ici quand ça va sécher. Est-ce que c'est sec? Non, ce n'est pas sec. D'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher, mais avant. Avant. On apprend, hein, mes amis, en plein milieu de ma vidéo, j'apprends. J'adore cet effet-là. Beaucoup moins. Oh, attendez, je vous recule, pardon. J'adore ce côté. Beaucoup moins celui-là. Il n'est pas balancé. Ici, c'est beaucoup plus intense que là. Donc, je vais faire ma folle, mes amis. C'est pas tout à fait sec, mais je m'en fous. Je suis folle.
Donc, je vais. Déjà, il y a ça ici là, qui m'énerve, ce spot-là que j'aime pas du tout. Donc, je prends mon pinceau avec que de l'eau. Quelle mauvaise idée. Mais quelle mauvaise idée que j'ai eue là. Oh, mais non, mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je veux bien être folle, mais il ne faut pas exagérer. Je prends mon rouge et j'applique. Est-ce que je peux faire ça? Revenir en rajouter un petit peu? Pas convaincue, là. Pas convaincue, pas en tout de mon affaire. Mais c'est fait. Parce qu'il n'est pas assez intense ici. J'ai un côté bien pâle, puis j'ai un côté bien intense. Et c'est dommage. Normalement, moi, je vous conseille d'attendre que ça soit tout sec, d'accord? Mais moi, je suis folle, fait que. J'ai juste besoin d'intensifier un tout petit peu. Et je suis dans l'écran, oui, parfait. S'il y a trop d'eau après votre pinceau, vous l'essuyez. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Méchante, méchante Mélissa. Quelle mauvaise idée. Gondole de fou. Je vais juste essayer de remettre un petit peu d'eau, histoire de mélanger les crac-crac que je suis en train de faire là. C'est pas mieux, hein? C'est vraiment pas mieux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas au bout de mes options. Là, il y a franchement à peu, presque uniquement de l'eau sur mon pinceau. D'accord? C'est que j'aime pas ce côté-là. Il est trop pâle. Il est trop, trop pâle. Je n'ai pas besoin d'une tonne, juste un petit peu pour accentuer à peine le côté trop pâle. Que je trouve que ça n'avait pas de sens que tout un côté soit très foncé et l'autre trop pâle. Mais bon, c'est quand même pas, c'est pas un échec, mes amis, parce que en vous montrant ça, ça vous montre que vous pouvez soit le faire très dilué ou soit plus pigmenté. Donc, c'est pas un échec, mes amis. C'est un apprentissage. Mais j'aime toujours pas la grosse crotte là en haut. C'est pas grave. On va trouver une solution. Ça m'énerve pas, moi. Ça en prend plus pour que j'abandonne. Oups, je l'ai-tu fait dans ses cheveux? J'espère que non. Ça m'en prend beaucoup plus que ça pour abandonner, moi. Je m'obstine jusqu'à la dernière seconde. Je suis vraiment têtue. Mon père, il dit que c'est la pire tête de cochon qu'il a jamais vue de sa vie. Pauvre papa. Pauvre papa. OK. Donc là, est-ce que je suis au dernier en... Ouais, OK. Je vais tasser ça. Et je vais vous montrer le résultat pour l'instant. Et là, ce que je fais, c'est que j'attends. Je ne touche plus à rien. J'attends que ce soit très, très sec. Et je vais vous montrer le résultat. D'accord. Je suis de retour. C'est complètement sec, comme vous pouvez le voir.
Là, c'est là que vous pouvez, s'il y a des, s'il y a de la poudre de pigment de brochot qui est allée sur votre colo à des endroits où vous ne vouliez pas, c'est maintenant qu'on peut l'enlever. Donc, j'enlève ça. Vous voyez comment ça traverse? On enlève ça et on va vérifier si j'ai pas fait de cracra. Non! J'étais certaine que j'allais faire un beau cracra ici, mais non, contente. Ah, ok. Par contre. Ok, bon, c'est correct. C'est pas. Comme vous pouvez le voir, ça l'a quand même un petit peu traversé, mais c'est vraiment pas dramatique. Donc, voilà, mes amis, le résultat. Là, c'est uniquement le résultat au bruchot. Mais c'est pas obligé que vous le laissiez comme ça, évidemment. Vous pouvez rajouter de la peinture acrylique pour faire des effets nuageux. Vous pouvez faire des projections de peinture dorée ou argentée. Mais moi, c'était uniquement la portion brochot que je voulais vous montrer. Et je vais vous le montrer de plus. Ah, ça gondole, hein? Ça gondole. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais le refermer et mettre quelque chose de très, très pesant dessus. Ça va beaucoup atténuer le gondolement, mais c'est certain que ça partira pas au complet. Parce que c'est du papier Amazon. Mais vous voyez, quand quelqu'un vous dit vous ne pouvez pas faire d'eau sur du papier Amazon, pas exact, exact. Vous pouvez. C'est un peu plus compliqué parce que la page devient très, très fragile une fois mouillée. Mais une fois que ça sèche, c'est bien correct. Mais c'est possible de faire de l'aquarelle ou de l'eau sur du papier Amazon. Regardez les effets. Vous voyez les effets que ça fait? C'est ça, je vous disais que j'adore l'effet. Attendez, j'en ai d'autres ici. Vous voyez? C'est génial. 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 Bon, pour en revenir à l'eau sur le papier Amazon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Même Annaline l'écrit au début de au début du livre. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans un de ses récents. Mais c'est pas fait pour avoir beaucoup d'eau. Parce que la page va devenir très fragile. Mais ça, je me répète là, mais bon, vous pouvez le voir. Mais une fois qu'elle sèche, là, elle n'est pas plus fragile qu'elle était avant. Donc, ça, c'est le fun. Mais ça gondole. Ça gondole de fou. Et ça ne redeviendra pas complètement plat. Bon, voilà, mes amis. C'était le petit tuto brochot que vous m'aviez demandé. Si vous avez peur de ne pas aimer et que vous voudriez tester un matériel plus abordable, moins cher que les brochots, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo test. Teinture à vêtements dans nos colos. Je vous la mets dans le petit i. Allez voir ça. Ça va vous donner une option, une autre option que de tout de suite acheter du brochot. Vous allez pouvoir tester et c'est franchement pas super cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez-vous tester ma technique pour le brochot? J'aimerais ça le savoir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de tester, si vous en avez. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Pourquoi ne pas partager ma vidéo? Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.